Des entraîneurs qui réfléchissent à deux fois, des gros coups proches de se produire en Ligue 1 et des éternelles rumeurs, l'action n'est pas que sur les terrains. La Première Ligue a repris ses droits vendredi avec Arsenal-Leicester en ouverture. Un match rythmé remporté 4-3 à l'Emirates Stadium. Les Français sont illustrés avec un but d'Alexandre Lacazette dès la deuxième minute de jeu et le but de la victoire signé Olivier Giroud. De quoi satisfaire Arsène Wenger qui avait un temps envisagé le départ de l'ancien Montpelliérain. I opened the door for him at some stage because I know that it's important for him to play, but I don't want him to go. And in the end, he decided to stay, and was one of the great days of the recent weeks for me. Autre son de cloche pour Rémi Kabela, invité à quitter les rangs de l'Olympique de Marseille. Le technicien du club phocéen a évoqué en conférence de presse son milieu offensif. Ça fait mal de voir Rémi 19e. Donc on a discuté tous les deux et je pense qu'il est en train de regarder à bouger. Voilà. Et peut-être ce serait mieux comme ça, on verra. Selon le journal La Provence, Bordeaux aurait mis Kabela sur ses tablettes. Le joueur de 27 ans a disputé 29 matchs de championnat la saison dernière et inscrit 2 buts pour 4 passes décisives. Ousmane Dembélé et le Borussia Dortmund vont avoir une petite discussion. L'international français ne s'est pas présenté à l'entraînement jeudi dernier. Interviewé par Sky Sport Deutschland, le technicien du club allemand Peter Bosch a annoncé que le joueur et le club auraient une réunion samedi soir. Une décision devrait être prise quant à son avenir. L'attaquant de 20 ans est proche de signer au FC Barcelone. Les deux clubs doivent se mettre d'accord sur le montant du transfert. On termine avec le PSG qui continue à faire ses emplettes du côté des champions de France en titre. Le club de la capitale a mis Kylian Mbappé sur ses tablettes et Fabinho. Selon l'équipe, le PSG souhaitera enrôler le milieu défensif de 23 ans. Le montant de 60 millions d'euros a été évoqué.